Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons la grâce de célébrer le 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église. Quel gardien ou quel modèle Dieu pourrait-il donner à son Église? Il est évident que celui qui était le protecteur de l'enfant Jésus et de Marie. La divine maison que Joseph gouverna, comme avec l'autorité d'un père, contenait les prémices de l'Église. Joseph était le gardien, l'administrateur et le défenseur légitime et naturel de la maison sainte dont il était le chef. Lorsque Dieu a décidé de fonder la famille divine sur terre, il a choisi Joseph pour être le protecteur et le gardien de son fils. Lorsque Dieu a voulu que cette famille continue dans le monde, c'est-à-dire fonder, étendre et conserver l'Église, c'est à Saint Joseph qui est confiée la même charge. Un cœur capable d'aimer Dieu comme fils et la mère de Dieu comme épouse est capable d'embrasser avec un grand amour et de prendre sous sa protection toute l'Église dont Jésus est le chef et Marie est la mère. Bien qu'il a été proclamé il y a 150 ans comme patron de l'Église, il a été toujours aimé et prié par les saints, les différents saints dans l'histoire de l'Église, toujours considéré comme protecteur et modèle pour tous les chrétiens et pour l'Église. Par exemple, Saint Jean Chrysostome, il fait un bel éloge de notre patron Saint Joseph. Dieu qui aime les hommes, dit Saint Jean Chrysostome, mêle travaux et douceur. C'est un style qu'il suit avec tous ses saints, tous les saints. Ni de danger, ni de consolation ne nous sont continuellement donnés, c'est-à-dire donnés toujours seulement que des consolations, que des épreuves. Mais des uns et des autres, Dieu tisse la vie des justes. Il a aussi fait avec Joseph. Sa vie était mêlée, tissée, pour ainsi dire, pardon, des travaux et des douceurs. Il était vraiment le serviteur fidèle et prudent, nous dit Saint Bernard, que notre Seigneur a nommé maître de sa maison. Le réconfort et le soutien de sa mère, son père adoptif, et le plus fidèle coopérateur dans l'exécution de ses plus profonds conseils que le monde ait connu. C'est les coopérateurs. Quel bonheur, dit toujours Saint Bernard, non seulement de voir Jésus-Christ, mais aussi de l'entendre, de le porter dans ses bras, de le conduire d'un endroit à un autre, de l'embrasser et de l'éteindre, de le nourrir, et d'être au courant de tous les rangs secrets qui ont été cachés aux princes de ce monde. Cette intimité de la Sainte Famille, une famille toute particulière, une mère vierge, un enfant Dieu. Voulez-vous des enfants bien-aimés, à mes enfants bien-aimés, dit Saint Bernardin de Sienne, ramener les hommes au Christ et à l'Église? Par rapport au Christ, aucun homme n'a été aussi proche du Rédempteur par les liens domestiques, par les relations quotidiennes, par l'harmonie spirituelle et par la vie divine de la grâce, comme Joseph, de la descendance de David, mais aussi humble ouvrier. Par rapport à l'Église, il est le patron de l'Église universelle, dit toujours Saint Bernardin. Sainte Thérèse d'Avila, la grande docteur de l'Église, l'a choisi comme patron principal de son ordre, des Carmélites, l'ordre du Carme. Dans le sixième chapitre de sa vie, de sa biographie, il écrit ainsi: « J'ai choisi le glorieux Saint Joseph pour mon patron, et je me recommande en toute chose singulièrement à son intercession. Je ne me souviens pas avoir jamais demandé à Dieu quoi que ce soit que je n'ai pas obtenu par intercession de Saint Joseph. Je n'ai jamais connu personne qui, en l'invoquant, n'a pas avancé excessivement en vertu,
car il assiste merveilleusement tous ceux qui s'adressent à lui, Saint Joseph. Saint François de Sales recommandait vivement sa dévotion et célébrait ses mérites, principalement sa virginité, Saint Joseph, son humilité, sa constance, sa persévérance et son courage. Regardant donc tout cet amour que les saints et les saintes de l'histoire avaient pour Saint Joseph et la dévotion que les chrétiens professaient pour notre grand patriarche Saint Joseph, le pape bienheureux Pie IX a déclaré Saint Joseph comme patron de l'Église. Et il disait: l'illustre patriarche, le bienheureux Joseph, a été choisi par Dieu de préférence à tout autre saint, afin que sur terre il soit le plus chaste et vrai époux de l'Immaculée Vierge Marie et le père adoptif de son Fils unique. Afin de permettre à Joseph d'accomplir à la perfection une mission aussi sublime, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a comblé de faveurs absolument uniques. Il les a multipliés en abondance, leur était rempli, comblé de tous les dons nécessaires pour accomplir sa mission dans ce monde. Par conséquent, il est juste que l'Église catholique, maintenant que Joseph est couronné de gloire et d'honneur dans le ciel, l'entoure de magnifiques manifestations d'adoration et le vénère avec une dévotion intime et affectueuse. Jusqu'à là, le bienheureux pape Pie IX. Si toute l'Église est redevable à la Vierge Marie, puisque c'est par elle que l'Église a reçu le Christ, l'Église doit de la même manière à Saint Joseph après la Sainte Vierge Marie une reconnaissance et une révérence particulière. Maintenant, ce sont les paroles du pape Pie XII. Et nous allons conclure cette petite méditation avec les belles réflexions de Saint Jean-Paul II devenant pour nous comme une prière. Que Saint Joseph devienne pour nous un maître singulier dans le service de la mission salvifique du Christ qui nous incombe à tous et à chacun dans l'Église, aux époux, aux parents, à ceux qui vivent du travail de leurs mains et de tout autre travail, aux personnes appelées à la vie contemplative comme celles qui sont appelées à l'apostolat. L'homme juste qui portait en lui tous les patrimoines de l'ancienne alliance a été aussi introduit dans les commencements de l'alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ. Qu'il nous indique, Saint Joseph nous indique le chemin de cette alliance salvifique au seuil du prochain millénaire, où doit se poursuivre et se développer la plénitude des temps, propre au mystère ineffable de l'incarnation du Verbe. Que Saint Joseph obtienne à l'Église et au monde, comme à chacun de nous, la bénédiction du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Saint Joseph nous bénisse à tous.